Et coucou tout le monde, nous sommes lundi aujourd'hui et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Et j'ouvre cette vidéo avec deux réceptions, une commande que j'ai faite, enfin que mon mec a faite sur le site de la Fnac, et je vous en parlais dans le dernier vlog. Donc pour celles et ceux qui l'ont regardé, vous savez de quoi il s'agit. En fait, j'ai lu le tome 3 de Blackwater. Et du coup, bah forcément, j'ai envie d'enchaîner sur le tome 4. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir comme ça? Sur le tome 4. Donc forcément, j'ai envie d'enchaîner sur le tome 4. Et j'ai pas envie de perdre, je vous avoue, trop de temps entre chaque tome pour vraiment rester dans l'univers, dans l'ambiance et dans l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai pas trop cherché, j'ai commandé le tome 4 directement sur le site de la Fnac. Et j'ai commencé à regarder le vlog de Manon, les lectures de Manon, qui du coup a lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 3, elle l'a lu en 24 heures, elle l'a adoré. Et du coup, je me suis dit, attends, il faut absolument qu'on se fasse une petite lecture commune ensemble du tome 4, enfin ensemble et avec d'autres personnes, puisque je crois que sous ma publication, mon post sur la lecture du tome 3, je proposais d'organiser une lecture commune sur le tome 4. Alors je sais qu'il y a Marie du compte Lucia Lune Books qui va organiser une lecture commune du tome 4, mais il me semble qu'elle l'organise fin septembre ou début octobre, et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'attendre autant avant de lire le tome 4. Donc c'est pour ça que je me disais, allez, je vais organiser moi aussi une lecture commune pour celles et ceux qui veulent le lire plus tôt. Et là, donc le tome 4, on est sur donc du coup le livre qui s'appelle La guerre, toujours absolument magnifique, les couvertures de Blackwater. Et alors c'est rigolo parce que du coup Manon disait dans son dernier vlog qu'elle s'amusait en fait à décortiquer, avant de lire l'histoire, à décortiquer un peu tout ce qui était tout ce qui apparaissait sur la couverture pour un petit peu deviner ce qui allait se passer dans l'histoire. Du coup je vais faire pareil. Là on a je sais pas, on a un petit bébé dans les bras d'une femme. Alors est-ce qu'il va y avoir une naissance, mais alors qui, peut-être Sister qui va avoir un enfant, ou Elinor qui va peut-être avoir un troisième enfant. Il y a l'image d'un couple ici, alors peut-être un couple qui va se former. Là on dirait qu'il y a l'image d'un braquage avec des mecs qui ont le visage un peu couvert. On a l'impression qu'ils sont en train de braquer une Syrie. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de braquer, la Syrie d'Oscar. J'ai l'impression que là, on a du bois avec des flammes. Donc peut-être qu'une Syrie, peut-être la Syrie d'Oscar qui va se retrouver en proie aux flammes. Mais c'est rigolo en tout cas, c'est vrai que j'avais pas forcément capté, enfin forcément on se dit que les couvertures sont absolument belles, mais j'avais pas forcément décortiqué les couvertures à ce point-là. Et du coup c'est Manon dans son dernier vlog qui parlait de ça, je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, en fait les couvertures, du coup il y a plein de symboles et qui j'imagine font référence à ce qui se passe dans le livre. Donc voilà le tome 4 qui fait combien de pages? Je pense que c'est à peu près pareil que les autres. Il fait 250 pages. C'est pas forcément, d'ailleurs c'est pas forcément ma couverture préférée, même si je la trouve absolument magnifique et que j'adore ce fond vert comme ça. Mais voilà, donc je vais pouvoir m'attaquer au tome 4 de Blackwater et je suis bien contente. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites partie des personnes qui résistent encore à la saga Blackwater, parce que c'est vrai qu'on la voit tellement partout que je me dis c'est pas possible. En fait, tout le monde a au moins lu le tome 1 de Blackwater, mais je suis sûre qu'il reste encore des gens qui résistent, enfin qui résistent, qui ne sont pas forcément dans la résistance, mais qui n'ont pas forcément envie de lire cette saga. Et j'ai reçu un autre paquet de la part des éditions Hugo Roman. Et il s'agit... Hop là. Il s'agit d'un livre de la rentrée littéraire dans la collection Hugo Poche et dans leur collection Suspense, écrit par Ellery Lloyd et qui s'appelle Suivi. Donc on est sur un suspense, un thriller édifiant sur la face cachée des réseaux sociaux. Et c'est pour ça en fait que quand j'avais reçu le communiqué de presse, je me suis dit, ah ça peut être une histoire plutôt canon en lien avec les réseaux sociaux et tout forcément
les à côté qui parfois peuvent être très, très néfastes. Je vous lis le résumé. Les gens adorent Amy Jackson, surtout sur Instagram, où elle partage sa vie de famille et ses conseils de maman à son million de followers. Son credo, la sincérité, sauf qu'Amy n'est pas aussi honnête qu'elle aimerait le faire croire à ses fans. Son personnage de mère faussement imparfaite, une mise en scène dans laquelle elle enrôle, malgré eux, son mari et ses deux enfants. Car dans sa quête de popularité, Amy est prête à tout, quitte à aller trop loin parfois. Tapis dans l'ombre de l'anonymat des réseaux sociaux, quelqu'un entend le lui faire payer. Autour d'Amy d'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Suivi par des millions de personnes, poursuivi par une seule. Ah, ça a l'air cool. Et il sort du coup le 1er septembre et c'est le premier thriller de l'autrice. Et c'est marqué Instagram, bienvenue dans ton univers impitoyable. Du coup, c'est cool parce que bah, forcément, hein, comme vous le savez, je suis sur Instagram et c'est le réseau social, je pense, sur lequel je suis le plus et sur lequel je publie le plus. Et du coup, je suis assez curieuse de voir ce que l'autrice a pu en faire. Le livre soulève une problématique. Que sacrifions-nous lorsque nous rendons notre vie privée publique et que nous finissons par perdre le contrôle de ce que nous laissons entrer dans nos vies? Ah, mais en fait, c'est un livre écrit à quatre mains. Parce que c'est marqué Ellery Lloyd et le pseudonyme du couple formé par Colette Lyons, journaliste, et Paul Vitos, écrivain. Ah mais c'est intéressant ça du coup. Ah, c'est deux auteurs, un couple qui ont créé un pseudo, du coup réunissant tous les deux. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Pas que c'est impossible, mais c'est la première fois que je rencontre ça où un seul pseudo regroupe deux personnes. Généralement quand c'est à quatre mains, les noms des deux auteurs sont indiqués, mais là non, c'était une seule personne. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, et bien écoutez, les éditions Hugo Roman, Myriam, si tu passes par là, merci beaucoup pour cet envoi. Je vais avoir pas mal de livres Hugo Roman à lire du coup prochainement. Donc il y a celui-ci, je sais que je dois en recevoir un ou deux autres, mais surtout j'attends la suite de la saga des McCoy que je devrais recevoir l'avant-dernier tome début septembre, et je crois que le dernier tome c'est octobre, mais que du coup j'ai précommandé dès qu'il a été possible de le faire. Forcément j'étais un petit peu au taquet. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. Donc du coup le tome 4 de Blackwater, La Guerre, et un livre de Hugo Poche, suivi de petits livres qui vont rejoindre ma palle pour le plus grand des plaisirs. Et je suis toujours dans l'ombre de l'assassin, mais vraiment voilà, il me reste juste ça. J'ai pas mal avancé cette nuit, enfin hier soir et cette nuit. J'ai lu, je sais pas, il devait être 5h du matin, et comme je vous le mentionnais dans une précédente vidéo, c'est une heure comme ça au petit matin où je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une plus grande efficacité de lecture, donc j'ai pu bien avancer. Voilà pour cette ouverture de vlog, et dans tous les cas, je vous reprends plus tard comme d'habitude. Et coucou tout le monde, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je suis désolée, je n'ai absolument pas eu l'occasion de vous reprendre plus tôt, et pourtant j'ai plein de petites choses à vous dire. La première, je ne sais pas si hier soir vous avez traîné vos guêtres sur Instagram aux alentours de 20h, mais la fine équipe, le trio somme toute très sympathique des éditions Hurlevent, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la maison d'édition créée très récemment par Sarah Mrs. Bouquiermonde, qui d'ailleurs a sorti Le cœur singulier de Millie Davis, qui est la première parution de la maison d'édition et qui est également son second roman, que je suis en train de lire et qui est juste incroyable. Du coup, ils ont annoncé hier sur Instagram, au travers un réel que je vous mettrai par ici, la création d'une jolie aventure, d'un joli projet qui regroupe 10 lectrices qui sont présentes sur Instagram, dont du coup je fais partie. Voilà, qu'elles ont appelé les voix d'Hurlevent. Donc le principe est assez simple. On va pouvoir lire en avant-première les épreuves non corrigées des futures parutions de la maison d'édition. Donc autant vous dire que lorsque les filles m'ont proposé de rejoindre les voix d'Hurlevent, j'ai été extrêmement ravie, extrêmement touchée qu'elles pensent à moi, et ravie d'autant plus quand j'ai vu du coup les autres voix. Il y a notamment Laura de Laura's Reading, il y a Louise, il y a Léa, enfin voilà, plein de personnes. Je vous mettrai dans tous les cas en barre d'infos tous les comptes des 10 voix d'Hurlevent. Et donc du coup les filles ont créé un réel, elles nous ont demandé
de leur envoyer des petites vidéos où justement on se fait passer le livre de Sarah, Le cœur singulier de Millie Davis, de l'une à l'autre, etc. Et du coup, ça constitue un réel, ce qui a permis de présenter les 10 voix du Hurlevent. Donc je suis vraiment, vraiment super ravie de faire partie de cette aventure qui promet de franches rigolades et de belles lectures. D'ailleurs, on a commencé à lire toutes les épreuves non corrigées de la prochaine parution des éditions Hurlevent. Je ne peux pas vous en dire plus à part que je suis en plein kiff de cette lecture et voilà, je pourrai un peu plus vous en parler dans quelques semaines quand les filles nous donneront le feu vert sur différents éléments. Mais voilà, je peux d'ores et déjà vous dire que cette seconde parution va être, mais de toute beauté. Je suis extrêmement enthousiaste face à cette lecture, extrêmement frustrée de ne pas pouvoir vous en parler encore, mais j'en suis à un point où en fait je lis du coup le NC sur liseuse, mais je sais pertinemment que lorsque je recevrai la version brochée, je vais le relire une seconde fois en fait, tellement je... Et c'est ce que disait à Marion par un soir d'automne, évidemment, en fait. C'est tellement, cette lecture est tellement prenante et tellement passionnée, passionnelle, enfin tout ce qu'on veut, que j'ai envie qu'il y ait un tome 2. En fait, j'ai pas du tout envie de quitter les personnages, j'ai pas envie de quitter l'histoire, j'ai pas envie de quitter l'époque, j'ai pas envie de quitter les enjeux, j'ai pas envie de quitter les actions, j'ai pas envie de quitter les petites histoires. Enfin, je suis à fond dans cette lecture et j'ai vraiment, vraiment extrêmement hâte de pouvoir vous en dire plus, et le titre et l'auteur et le résumé et l'histoire et les personnages, enfin tout. Mais en tout cas, retenez juste que du coup, il y a une seconde parution des éditions Hurlevent qui arrive bientôt et que vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà ce que je voulais vous dire. Un petit update, Rachel Kane, L'ombre de l'assassin, sachant que le tome 3, donc ça c'est le tome 2, il y avait l'ombre, est-ce que je vais y arriver un jour, l'ombre de la menace, voilà, merci, tome 1, l'ombre de l'assassin, tome 2, et l'ombre du crépuscule, tome 3, qui est sorti la semaine dernière, je crois, donc aux éditions Archipoche, et que bien sûr je vais m'empresser de lire. Comme je vous le disais précédemment, j'ai eu un chouï du mal au début, le temps de me remettre dans l'histoire, de resituer les personnages, mais une fois lancé, c'était parti. Donc pour rappel, on suit Gwen, qui anciennement s'appelait Gina, qui dans le tome 1, au tout 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 début du tome 1, comprend que son mari, Melvin Royal, est un serial killer qui, dans le garage de la maison familiale, violait, torturait, pendait des femmes. Gwen, enfin du coup anciennement Gina, quand a eu lieu les faits, n'était absolument pas au courant de ce qui se déroulait à deux pas de sa cuisine. Bien entendu, quand le poteau rose est dévoilé, elle est accusée de complicité, puisque bien entendu tout le monde se dit non mais c'est impossible que cette femme n'ait absolument pas su ce qui se tramait dans le garage attenant à sa maison. Toujours est-il qu'elle est innocentée, mais par contre, du coup, bah forcément, sur le web, tout le monde s'en donne à cœur joie. Elle reçoit lettre de menace sur lettre de menace, et du coup, dans le tome 1, Gina devient Gwen, et elle doit également dissimuler l'identité de ses deux enfants. Donc, elle a une adolescente et un petit garçon, et du coup, c'est un peu le tome 1, c'est un peu la fuite et la cache, quoi. Et dans le tome 2, gros revirement de situation, donc je ne vais pas vous dire de quoi il en retourne. Mais en tout cas, ce tome 2 est tout aussi haletant et tout aussi frénétique. Il passe à une vitesse éclair. Il y a de l'action, en veux-tu, en voilà. C'est un petit peu plus... On est un peu plus sous pression, je trouve, que sur le tome 1. Mais en tout cas, je suis extrêmement ravie de cette lecture. Et si vous ne connaissez pas du coup cette trilogie, je vous conseille vraiment de vous y pencher, parce que vraiment, enfin, voilà, après, c'est pas non plus, on n'est pas dans le coup de cœur, mais on est dans la vraie bonne lecture. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment que je conseillerais. Donc, on n'est pas dans le coup de cœur, parce que clairement, c'est pas une lecture que je relirais et que je conseille coûte que coûte, où je vais aller, voilà, mener
l'idée de front en disant allez-y, jetez-vous dessus et tout. On n'est pas là-dedans. Mais par contre, si vous voulez un thriller, du suspense, de l'angoisse, du stress, allez-y, vous trouverez vraiment, vraiment de quoi vous satisfaire avec ces lectures. Et du coup, je vais très bientôt commencer L'ombre du crépuscule parce que je ne vais pas me faire avoir comme la dernière fois où j'ai laissé vraiment trop de temps entre le tome 1 et le tome 2. Là, je vais de ce pas enchaîner avec L'ombre du crépuscule pour avoir le fin mot de cette histoire. Parce que clairement, par contre, à la fin de ce livre, on se dit, ah, il y a une suite. Ah bon, il y a une suite, mais qu'est-ce qu'ils vont nous pondre? Parce que du coup, sur la fin de ce tome, on a vraiment une vraie finalité. Et du coup, on se dit, attends, s'il y a un tome 3, c'est qu'en fait, bon, je vous en dis pas plus, mais voilà. Bon, bref, à voir du coup ce que donne L'ombre du crépuscule. Mais franchement, excellente lecture. Ah non, je vous ai pas pris la lecture que vous avez choisie sur Instagram. Bon, j'irai là. Ah bah si, elle est là. Oh là là, j'ai tellement de livres partout que en fait mes livres sont partout et j'ai pas besoin de me déplacer, je les ai sous la main. J'ai fait un sondage Instagram parce que du coup, en parallèle de l'ENC, forcément, j'avais envie de lire autre chose puisque les ENC et ce second roman des éditions Laurent, je ne peux pas pour l'instant vous en parler. Donc du coup, j'avais envie aussi d'une lecture parallèle dont je peux vous parler. Et du coup, j'avais fait un sondage Instagram en vous laissant le choix entre Romy et les Lumières de Paris, un roman de Michel Marly édité chez Fleuve Édition, et Les Bouffeurs Anonymes de Marie-Aline édité chez Harper Collins. Et vous avez voter pour celui-ci. Je vous lis le petit résumé. Romy est devenue une star dans le monde entier avec le rôle de Sissi, mais elle en a assez de cette image cliché de jeune fille sage. Elle rêve de donner une autre direction à sa carrière d'actrice. C'est alors qu'elle rencontre Alain Delon, avec qui elle doit tourner le film Christine. Elle tombe amoureuse de ce jeune rebelle et, contre l'avis de sa famille, décide de le suivre à Paris. Alors que leurs carrières ne connaîtront pas le même succès, leur amour saura-t-il y survivre? Un roman sur la quête fascinante de Romy, celle d'une artiste et d'une femme. Donc bien entendu, on est sur un roman inspiré de l'histoire de Romy Schneider, donc à prendre bien entendu avec, avec beaucoup de pincettes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Marly a écrit aussi Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, que j'avais lu l'année dernière, il y a deux ans peut-être. Je vous remettrai la publication que j'avais faite à ce sujet si ça vous intéresse. J'avais aimé, mais dans mon souvenir c'était sans plus. Voilà, c'était cool mais pas non plus transcendant. Donc à voir. Après, c'est vrai que Coco Chanel et Romy Schneider, ce sont deux personnalités qui m'attirent plutôt. Enfin voilà, dont j'apprécie l'histoire et le parcours de vie. Bah forcément, d'autant plus Romy Schneider, puisque j'ai été biberonnée à Sissi quand j'étais enfant. Donc à voir ce qu'il en est fait de ce parcours de vie de Romy en version, enfin de ce parcours de vie très court, puisqu'on est vraiment sur son histoire avec Alain Delon, mais de voir ce qu'il en a été fait en version romancée. Donc je vais commencer ça. Sachant qu'on part 4 jours en vadrouille et que je suis en pleine négociation avec mon mec pour savoir combien de livres j'ai le droit d'emporter. Parce qu'à chaque fois, bien entendu, je ne sais pas si vous c'est le cas, mais j'emporte beaucoup trop de livres. Et généralement, je n'en lis qu'un seul. Voilà, mais je sais pas, j'aime bien avoir beaucoup de livres pour me laisser le choix. Et j'ai deux réceptions. Une réception des éditions Finitude. Alors... Là, ça y est, c'est reparti. On sent que la rentrée arrive. Les réceptions reprennent. Et on sent que du côté des maisons d'édition, c'est l'émulation, c'est l'excitation de la rentrée. Là, il s'agit donc Finitude. Oh, mais elle est pailletée, la couverture. Est-ce que vous... Non, on verra pas. Ça sert à rien que j'essaye. Mais il y a des petites paillettes dorées. Édition Finitude. Alors, Édition Finitude, vous savez que j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est la maison d'édition qui édite Olivier Dorchamps, notamment, dont j'ai lu le livre Fuir l'Éden
et dont j'ai trouvé le livre Ce que je suis sur le site de Book Off, donc sur l'Éden que j'avais adoré, et tout le monde me dit que le roman Ce que je suis est absolument exceptionnel. C'est également la maison d'édition qui a découvert le manuscrit de Olivier Bourdeau en attendant Bojangles, mais également Florida et également Pactum Salis, enfin les trois romans d'Olivier Bourdeau qui sont au top du top. Donc en classement quand même je mettrais en attendant Bojangles, derrière je mettrais Florida et en troisième je mettrais Pactum Salis que j'ai trouvé un peu en dessous des deux autres. Et là du coup il s'agit des Corps solides de Joseph Incardona. Je pense qu'on dit ça comme ça. Je vous lis le résumé. C'est lui qui a écrit d'ailleurs notamment, peut-être que vous en avez entendu parler, La soustraction des possibles. Je vous mettrai la couverture du livre ici. On en a beaucoup entendu parler d'ailleurs. Anna vend des poulets rôtis sur les marchés pour assurer l'essentiel pour que son fils Léo ne manque de rien ou de pas grand-chose. Anna aspire seulement à un peu de tranquillité dans leur mobil-home au bord de l'Atlantique et Léo à surfer de belles vagues, à vivre libre tout simplement. Mais quand elle perd son camion rôtissoir dans un accident, le fragile équilibre est menacé, les dettes et les ennuis s'accumulent. Il faut trouver de l'argent. Il y aurait bien ce jeu dont on parle partout à la télé, à la radio, auquel Léo incite sa mère à s'inscrire. Gagner les 50 000 euros signifierait la fin de leurs soucis. Pourtant, Anna refuse. Elle n'est pas prête à vendre son âme dans ce jeu absurde dont la seule règle consiste à toucher une voiture et à ne plus la lâcher. Mais rattrapée par un monde régi par la cupidité et le voyeurisme médiatique, a-t-elle vraiment le choix? Épopée moderne, histoire d'amour filiale et maternelle, Les Corps solides et surtout un roman sur la dignité d'une femme face au cynisme d'une époque où tout s'achète, même les consciences. Et ouais, et quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit, ouh, pou, ça sent la fresque sociale avec. Avec des thématiques très, très actuelles. Donc j'étais bien tentée. Il est sorti. Attendez, on est le combien? On est le combien aujourd'hui? 25? 24? Bref, il est sorti le 25 août. Donc je sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, parce que je ne sais pas quelle date on est. En tout cas, on est proche du 25 août. Mais ça se trouve, on est le 25 août. Bref, je ne sais plus. Non, le 25 août, c'est passé. Bon, en attendant, hein, voilà, ça nous fait une belle jambe. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas aux éditions Finitude pour cet envoi. Et autre réception de Hugo et compagnie. Alors. Ah oui, je sais lequel c'est. Ah j'adore. Ah j'ai tellement hâte de lire celui-ci. En plus j'adore la couverture, vous allez voir, elle est tellement, tellement peps. Il s'agit, pardon, de Boy Queen de George Lester. Cette couverture, mais je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup trop. Sur l'univers des drag queens, donc édité par Hugo Édition dans la collection New Way. Alors, je vous lis le résumé. Quand je l'ai lu, je me suis dit, hop, 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 toi, viens par ici. Est-ce qu'il est celui-ci, est-ce qu'il est sorti 14 octobre? Ah non, ils ont dû se tromper. C'est marqué 14 octobre 2021, mais non, ça doit être 14 octobre 2022. Ah, et donc il sort pas tout de suite, tout de suite. Du coup, est-ce que j'attends pour le commencer, qu'on soit un petit peu plus proche de la date de sortie? Bon, je voulais le résumer en tout cas. Pour la vie de Robin vole en éclats, alors que tous ses amis préparent leur rentrée dans l'université de leurs rêves, lui est refusé par l'école d'art dramatique dont il rêvait. Il en arrive à se demander s'il a seulement le talent de ses ambitions. Il faut dire qu'au milieu d'une mère trop bavarde et d'un petit copain qui ne lui montre pas beaucoup de respect, il n'est pas tous les jours facile d'exister. Il est donc plus que temps pour une intervention. Un soir, avec ses amis, il se rend dans un bar où un show de drag queens est donné. Et c'est la révélation. Si la vie s'annonçait plutôt sur une scène couverte de paillettes et de sequins, que sur les planches poussiéreuses d'un théâtre. Et George Lester, du coup, est lui-même drag queen, c'est marqué. Donc, il est éditeur, fan ultime de comédie musicale et de drag. Il passe son temps à écrire ou à poster des vidéos sur tous les livres qu'il dévore, mais aussi de son personnage drag queen, That Girl. Il vit dans la banlieue de Londres avec son copain. Du coup, j'ai encore jamais. Si, j'ai lu de commencer ce livre du Dufresne Lamy. C'est lui qui a écrit un livre sur. Ah, j'ai plus le titre en tête. Pareil, je vous mettrai la couverture. C'est lui qui a écrit un livre à ce sujet.
il me semble, que j'avais lu et que malheureusement, enfin, j'avais eu beaucoup de mal avec ce livre. Alors, est-ce que je l'ai lu au bon moment? Mais j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de références sociales, historiques. Et que du coup, j'ai eu du mal à me glisser dans l'histoire du personnage. Tant, voilà, j'ai trouvé que c'était assez. Il y avait beaucoup de lourdeur du fait de beaucoup de données, de références qui m'ont un peu perdu et qui avaient un peu étouffé ma lecture, malheureusement. Donc, il faudrait peut-être que je réessaye de le relire. Peut-être que, voilà, peut-être que j'apprécierai un peu plus maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des thématiques. Voilà, je lis peu de livres sur ces thématiques, mais parce qu'en fait, on en trouve peu aussi, malheureusement. Et il y en a de plus en plus. Et ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, bon, là, alors le soleil s'est caché, mais. Cette couverture, je la trouve complètement folle. Et il me semble, mais je pense qu'il y a une erreur. Hein. Je pense qu'il y a une erreur parce que j'ai reçu le communiqué de presse récemment. Donc c'est pas possible que ce soit un livre qui soit sorti en octobre 2021. Je pense que c'est vraiment 14 octobre 2022. Je revérifierai et je vous redirai. Mais en tout cas, merci beaucoup à Hugo Roman pour cet envoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce jour. Je pense que je ne publierai pas le vlog dimanche puisque je ne pense pas emmener mon ordinateur et dans tous les cas, je n'aurai pas accès à Internet. Mais on rentre normalement la semaine prochaine. Enfin, on ne sait pas encore trop quand. Donc, en fonction, je vous publierai le vlog ou le jour de notre tour ou le lendemain. Mais du coup, voilà, exceptionnellement, il n'y aura pas de publication ce dimanche. Mais ça, enfin, peu importe pour vous puisque quand vous verrez le vlog. Le fameux dimanche sera passé. Mais je vais vous faire une petite story d'ailleurs sur Instagram pour vous prévenir de ça. Et voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine. Et ah si, en parlant de Hugo Roman, Manon a publié donc la lecture de Manon qu'on ne présente plus, ma super pote. Elle a commencé ce midi le tome 1 de la saga des McCoy et du coup elle a publié une story pour le dire et j'ai reposté sa story en vous incitant à aller la voir sur Instagram et à lui dire mais elle est géniale cette saga, tu vas trop t'éclater et tout. Et du coup je lui ai fait un petit message pour lui dire alors ces premières pages, ces premiers chapitres, est-ce que voilà, tu accroches. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Que je pense que niveau boulot, elle est bien, bien prise. Mais voilà, je croise les doigts pour que Manon devienne une lectrice inconditionnelle de la saga des McCoy. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, je vous reprends. Nous sommes jeudi, aujourd'hui jeudi 1er septembre. Je connais cette date à peu près par cœur. Puisque c'est la rentrée scolaire et qui dit rentrée scolaire dit comme le 1er janvier, bonne petite résolution, on fait des efforts sur un petit peu tout notre quotidien. Enfin voilà, je sais pas si vous êtes de ces personnes qui font des résolutions ou le 1er janvier ou le 1er septembre. Moi je sais que j'ai plutôt tendance à aller prendre le 1er septembre plutôt que le 1er janvier, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, rentrée scolaire, il y a une espèce d'émulation générale. Qui fait que voilà, ça invite plutôt à l'enthousiasme général de reprendre sur de bonnes bases. Bon, typiquement, je reprends pas forcément sur de bonnes bases, hein, puis ce matin, rentrée scolaire pour mon petit chat, nous étions en retard. Jour de rentrée scolaire, c'est parfait. On aime, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, j'ai plein de choses à vous dire. C'est vrai que en story sur Instagram, je vous ai dit que je partais, qu'on était en vadrouille et que du coup, il n'y aurait pas de vlog donc dimanche dernier, que j'en publierai un mercredi. Sauf qu'en fait, je me dis, c'est bizarre parce que du coup, j'en publie un mercredi, puis je vais en republier un qui va faire 3 jours ce dimanche. Donc pas forcément folichon, du coup je me dis mais c'est pas grave en fait, je n'en publie pas du tout et j'en publierai un donc dimanche. Donc ce dimanche, le dimanche pour vous, pour ceux qui regardent du coup le vlog le jour de sa sortie. Et voilà, ça fera un gros vlog de 15 jours, mais c'est pas grave, c'est mieux comme ça. J'attendais un colis avec grande, grande impatience de la part des éditions Hurlevent, puisque pour celles et ceux qui ont vu mon vlog précédent, vous savez que j'ai été retenue pour faire partie des 10 voix d'Hurlevent, qui sont du coup 10 personnes, 10
personnes, voilà, influenceuses autour de la littérature, autour du livre, qui ont été sélectionnées par Marion, Alexia et Sarah, du coup les trois têtes pensantes de cette nouvelle maison d'édition Hurlevent. Et en fait, elles nous ont envoyé un colis que vous avez ici, que du coup j'ai récupéré hier, mais que je voulais ouvrir en live aujourd'hui. Les autres ont déjà réceptionné et pour la plupart ouvert le colis. J'ai fermé les yeux en regardant les stories parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont fait ou des réels ou des stories sur l'ouverture de ce colis et que je ne voulais absolument pas me faire spoiler. Du coup, je vais l'ouvrir ici en direct. Je sais qu'a priori elles nous ont gâtés puisqu'après voilà, après les ouvertures des différentes voix, il y a eu des messages dans notre groupe de discussion où voilà, beaucoup disaient « Ah là là, mais vous avez trop gâté, mais vous êtes des grands malades !» Donc voilà, c'est marqué « Fragile » dessus. Qu'y a-t-il dedans? Qu'y a-t-il dedans? J'ai tellement, tellement, tellement hâte. Et j'ai tellement hâte de vous parler du coup de la Duchesse de Buckingham. Je peux enfin vous dévoiler le titre puisque les filles ont dévoilé le titre sur une publication Instagram. D'ailleurs, si vous ne suivez toujours pas le compte des éditions Hurlevent, je vous le conseille. Notamment pour les sublimes photos qu'elles font à chaque fois dans des décors absolument magnifiques comme on aime à base de bibliothèques. Avec des beaux livres reliés cuir rangés dans de magnifiques étagères en bois verni. Vous voyez un peu l'ambiance. Oh, mais c'est énorme. Ah, j'ai trop hâte. Et du coup, voilà, donc elles ont partagé une citation du prochain roman, donc La Duchesse de Buckingham, et elles ont partagé le titre hier. Donc du coup, petit à petit, vous allez pouvoir avoir quelques indices sur du coup ce prochain roman. Attention. Oh, pou, 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 pou. Oh. Trop jolie carte. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du logo de leur maison d'édition, mais moi, je le trouve absolument magnifique. Ça fait un peu blason, ça fait un peu à la fois ancienne de vieille librairie. Vous savez, des fois, on voit ça dans des villages où il y a l'enseigne qui est en décalé, qui est en fer forgé de la devanture. Ça fait blason, ça fait penser à Harry Potter, ça fait penser à vieille bibliothèque. Enfin, c'est... Ah là là. La box de bienvenue, tant attendue, nous espérons qu'elle te ravira et que cette aventure à nos côtés te comblera avec toute notre amitié, Alexia, Marion et Sarah. Oh là là. Avec ce petit verre un peu écossais, un peu roi là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est cette chose qui est fragile? Pardon, alors attendez, mais là on est sur quelque chose d'absolument... Mais non, mais c'est énorme. Alors ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que d'habitude, dans les goodies, il y a toujours des tasses. Et du coup, dans les étagères, on est d'accord qu'on cumule les tasses, les mugs. Mais là, là c'est pas une tasse. Et c'est trop intelligent. C'est la petite théière avec le logo. Les voix d'Hurlevent. Non mais est-ce que vous imaginez? Non mais j'adore, je suis complètement fan. C'est-à-dire voilà, on a la tasse, mais qui a pensé à faire la petite théière qui accompagne nos tasses? Les éditions Hurlevent. Les filles, si vous passez par là, trop, 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 trop forte. Ça c'est vraiment super bien pensé quoi. La théière, la mini théière. En plus c'est parfait, c'est genre... La petite théière individuelle, quand vous n'avez pas envie de sortir votre théière familiale ou théière pour X personnes, vous sortez votre petite théière. Mais attendez, attendez, c'est pas tout. Il y a la tasse qui va avec. Non mais elles sont trop fortes. Et est-ce que... Est-ce que c'est pas juste magnifique quoi? Non mais trop fort. Alors ça c'est du super, super... Super goodies, je suis trop fan. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, est-ce qu'elles ont mis autre chose? Oh là là, oui. Oh, non mais les filles, vous nous gâtez beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? C'est un peu Noël. C'est la boîte surprise. Oh, mais j'adore. Oh, mais il est trop beau.
regardez-moi ça, ce marque-page là. Oh, en fait, j'adore ce verre. Je ne sais pas si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, mais vous savez que j'ai un mur chez moi que des fois vous voyez en vlog qui est vert comme ça, qui est vert un peu vert écossais, vert roi. Et c'est un peu le même vert. Oh, mais j'adore. J'adore. Non, mais c'est magnifique, franchement. Mais oh, elles se sont craquées. Et puis ce que j'adore, c'est que tout est ultra uniforme. On sent que tout est joliment pensé, quoi. Un petit thé. Un petit thé chai. Oh, trop bien. Ah non, pardon. Un thé vert vanille biscuit. Je disais thé chai parce que c'est ce qui est marqué là. Mais en fait, au dos, c'est marqué thé vert vanille biscuit. Attendez. Bougez pas. Enfin, bougez pas. Vous n'allez rien pouvoir sentir, vous. Mais moi, je peux sentir. Alors. Oh. Mais ça sent un peu l'amande presque. Alors oui, vanille biscuit, clairement, mais ça me fait penser à autre chose. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh, cet après-midi, je vais me faire un petit tea time, comme dirait Sarah, puisqu'elle, si vous suivez ses vlogs, c'est une grande adepte du petit tea time. À chaque fois, elle se fait des petites douceurs pour accompagner son petit tea time. Et nous avons, bien entendu, quand je dis bien entendu, non, c'était pas forcément obligatoire, mais nous avons le carnet, les voix du relevant. Franchement, les filles, mais trop, 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 trop fort. Regarde la main, j'ai une fille. C'est tout beau. J'ai rien zappé, que ce serait dommage que je mette quelque chose à la poubelle. Trop, 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 trop bien. Et là, je suis contente de ne pas avoir de chat. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Non mais les filles, Alexia, Marion, Sarah, si vous passez par là, merci, merci, merci infiniment. Mais c'est trop parfait. C'est tellement dans l'ambiance de cette maison d'édition, c'est tellement vous, c'est tellement personnalisé, c'est tellement trop bien. Ça fait dur de passer à autre chose. J'ai reçu deux colis. Celui-ci me vient des éditions Erol. Ah yes! Trop bien! Ah oui! Alors, je ne sais pas si vous savez, si vous avez vu circuler ça sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, mais les éditions Erol sortent une nouvelle collection qui s'appelle, si je ne m'abuse, la collection Romans d'Histoire Pop. Et en fait, c'est des romans qui vont... Oh, trop classe! Oh, trop bien, la tranche! J'adore les tranches colorées comme ça. Et là, du coup, on est sur le personnage de Jeanne d'Arc. Hein, vous l'aurez reconnu, Mon enfance tout feu tout flamme, histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc de Michel Douard. Donc là, on est sur Jeanne d'Arc. Ça, c'est le second qui est sorti. Le premier qui est sorti est sur Pasteur. J'ai craqué au bureau. Voilà, histoire étouffante de Pasteur. Et du coup, c'est en gros l'histoire romancée d'un personnage historique. Et donc là, j'ai choisi Jeanne d'Arc. Je vais vous lire le dos. Mais je trouve ça assez... Enfin, assez intriguant. Disons que j'ai hâte de le lire pour voir à quel point l'auteur a pris des libertés face à l'histoire. Savoir si on apprend vraiment des choses sur le personnage historique en question. Puisque pour moi, c'est le but, même si on est quand même sur un roman historique. Quand on sort une collection comme ça, qui s'appelle Roman d'Histoire Pop, oui, il y a roman, mais il y a quand même ce côté histoire qui, malgré tout, domine. Après, je me dis, c'est histoire ébouriffante, donc doit y avoir un petit côté aussi humoristique. Et le titre Mon enfance, tout feu, tout flamme. Fallait oser quand on connaît l'histoire de Jeanne d'Arc et quand on connaît la finalité de sa vie, à savoir le bûcher. Donc à voir, mais j'ai hâte, je suis très curieuse de voir ce qu'ils ont pu faire de tous ces personnages historiques sur voilà, des histoires ébouriffantes entre fiction et réalité. Ah, il y a un petit avertissement, attendez, je vais vous lire parce que ça peut être intéressant. Dans la collection Romans d'Histoire Pop, on ne vous raconte pas d'histoire.
L'histoire, avec un grand H, est respectée. Le fond de ses romans biographiques mêlant fiction et réalité s'appuie sur les travaux d'historiens sérieux. Leur forme n'a en revanche rien de sérieux. C'est sur ce plan que nous avons usé de liberté et d'imagination. Ce qui relève de la fiction vient se nicher dans les zones d'ombre de la vie des personnages, dans le vocabulaire parfois anachronique des dialogues, dans les interprétations loufoques de certains événements. Car notre objectif n'est pas seulement de vous en apprendre un peu plus sur ces grands acteurs de notre histoire, mais aussi de les rendre pleinement vivants et de vous distraire. Voilà, donc définitivement, ça mêle fiction, ça mêle le côté un petit peu humoristique, un peu anachronique, mais malgré tout, il y a quand même un fond d'histoire plutôt sérieux. Et le résumé est assez ébouriffant d'ailleurs. Garder la maison et les moutons, Burke. Supporter un mari, jamais de la vie. S'aplatir devant les Anglais, même pas en rêve. La petite Jeannette a des idées bien affirmées et les clame haut et fort. À 12 ans, elle en a déjà fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Une nuit, Jack Dark rêve que sa fille s'enfuit avec des hommes en armes. Un songe prémonitoire avec humour et intelligence. Michel Douard nous plonge dans les premières années de Jeanne d'Arc, une ado presque comme les autres. Comment a-t-elle pu à 17 ans lever une armée, commander des milliers d'hommes et remettre un roi sur son trône? Une épopée incroyable que l'on redécouvre sous un angle flamboyant. Excellent. Écoutez, franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre sur l'histoire de Jeanne d'Arc de façon loufoque et ébouriffante. Merci d'ailleurs beaucoup aux éditions Erol, et ce livre sort le 22 septembre comme le livre qui est consacré à Pasteur. Les deux sortent le 22 septembre et celui sur Vercingétorix sort début 2023. J'ai reçu un livre aussi des éditions Archipoche, enfin Archipel, collection Archipoche. Après l'ombre de la menace, l'ombre de l'assassin, l'ombre du crépuscule, le troisième tome du coup de la trilogie de Rachel Caine sur Gwen, cette femme qui veut échapper à son meurtrier et complètement fou de mari. Et donc du coup c'est le dernier tome. J'ai récemment lu du coup l'ombre de l'assassin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, le point dit sous le mari, le monstre, un scénario qui tient formidablement en haleine, clairement. Le résumé, est-ce que je vous lis le résumé? Peut-être pas, parce que pour celles et ceux qui... Non, je vais pas vous lire le résumé, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas commencé la trilogie, du coup ça va vous avancer un peu trop dans l'histoire. Mais en tout cas, celles et ceux qui connaissent la trilogie, celles et ceux qui ont lu toute la trilogie, qui ont lu L'Ombre du Crépuscule, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome, parce qu'il est sorti très récemment. Il est sorti fin août là. Enfin pour la rentrée littéraire du coup. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Ben dis donc, très belle réception aujourd'hui. Des achats, puisque voilà, nous étions en vatrouille dans le Diwa, entre Die et Châtillon en Diwa. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un endroit qu'on aime beaucoup avec mon mec. Et du coup, à Die, il y a une petite librairie où on aime beaucoup aller à chaque fois, et forcément, on ne sort jamais sans un livre. Et du coup, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par celui-ci. J'étais en train de regarder du coup les livres avec mon petit garçon, et là mon mec arrive et dit « Eh, mais t'as vu que Benoît Philippon avait sorti un nouveau roman ?» Et oui, oui mon chéri, j'avais vu que Benoît Philippon avait sorti un nouveau roman. C'est l'auteur de Mamie Luguer, Luger, je sais jamais. Enfin, il y en a certaines qui disent Mamie Luger, d'autres qui disent Mamie Luguer, mais bon bref, moi je suis plutôt sur du Mamie Luger. Que j'ai lu, que j'ai adoré. Il y a Manon qui m'a offert Cabossé de Benoît Philippon, et là du coup voici Petiote. Alors, j'adore ce titre, Petiote. Je trouve ça, ça me fait penser à mes grands-parents quand ils parlent. C'est un peu le genre de vocabulaire de nos grands-parents, donc de Benoît Philippon. J'adore aussi. Ça me fait trop penser à Léon, avec du coup ce grand-là qui pourrait faire penser à Renaud. Renaud? Jean? Non. Mince, comment il s'appelle cet acteur? Comment il s'appelle cet acteur? Jean Reno? Bref, vous voyez? Le mec qui joue dans Léon, et du coup Nathalie Portman là, bon, qui clairement dans Léon a les cheveux plus courts, mais ça me fait vraiment penser à ce binôme. Petit résumé: pour récupérer la garde de sa fille, Gus, un père au bout du rouleau, se lance dans une prise d'otage dans l'hôtel de naufragés où il vit. Sa revendication: un Boeing pour fuir au Venezuela avec Émilie, sa petite.
Pour ce plan foireux, Gus s'allie à Cerise, une prostituée à perruque mauve. À eux deux, ils séquestrent les habitants déglingués et folkloriques de cet hôtel miteux. Georges, le tenancier, Boudu, un SDF sauvé des eaux, Fatou, une migrante enceinte. Gwen et Danny, un couple illégitime enregistré incognito, Hubert, un livreur Uber jamaïcain, mais aussi Sergueï, un marchand d'armes serbe en charge d'un transit de drogue mafieux. Génial cet hôtel. Et bien sûr, Emily, son ado rebelle de 14 ans. La capitaine de police Mia Balserzak est la négociatrice de cette cellule de crise. Crise familiale, crise de la quarantaine, crise sociale, crise de nerfs, quoi qu'il arrive, crise explosive. L'histoire d'un loser qui n'a plus rien à perdre. J'aime beaucoup cette couverture. Elle fait vraiment très, très bande dessinée. Et elle fait presque un peu comics. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Édité chez, aux éditions Les Arènes dans leur collection Equinox. Voilà, j'ai vraiment hâte, hein, Benoît Philippon. Vous savez que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ah oui, et j'ai joueuse aussi. J'ai joueuse dans, dans ma palle que j'ai pas encore lue. Je vous dis que je suis en train. Enfin, je vous dis que j'aime beaucoup, 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 mais j'ai lu qu'un livre de lui. Mais c'était une pépite, donc je peux clairement dire que j'aime beaucoup Benoît Philippon. Donc on a pris ça. J'ai pris le dernier Sandrine Colette. Alors j'ai enlevé le rabat. On était des loups. Vous savez très bien que j'adore, j'adore, j'adore Sandrine Colette, que j'ai énormément adoré. Et toujours les forêts, que vraiment, si vous ne connaissez pas Sandrine Colette, je vous conseille. Et toujours les forêts, surtout dans le contexte actuel. Enfin, c'est une épopée, c'est une... Enfin, c'est... Il est incroyable. Je vous mettrai le lien de mon vlog dans lequel je fais la chronique de Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Ce livre m'a bouleversée et il fait partie des 10 livres que vraiment je traînerai toute ma vie et que je prêterai et que je conseillerai et que j'achèterai pour des gens parce que vraiment incroyable. Je vous lis du coup le résumé de celui-ci. Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chasser, il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose. Son petit garçon de 5 ans, Haru, ne l'attend pas devant la maison. Dans la cour, il découvre les empreintes d'un ours. À côté, sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils vivant. Au milieu de son existence qui s'effondre, Liam a une certitude. Ce monde sauvage n'est pas fait pour un enfant. Décidé à confier son fils à d'autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du pas des chevaux. Mais dans ses profondeurs, nul ne sait ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompagné d'un enfant terrifié. Dans la lignée de Et toujours les forêts, Sandrine Colette plonge son lecteur au sein d'une nature aussi écrasante qu'indifférente à l'humain. Au fil de ses pages sublimes, elle interroge l'instinct paternel et le prix d'une possible renaissance. J'ai rien d'autre à ajouter, en fait, ça va être du grand Sandrine, Sandrine Colette, avec ce rapport ultra conflictuel avec la nature, où clairement, la nature n'a rien à nous apprendre, à tout à nous donner ou à nous confisquer, en fonction de voilà, la façon dont on vit avec elle. C'est éminemment actuel. J'ai bien entendu craqué pour le tome 5, La Fortune de, j'allais dire de Sandrine Colette, de Michael McDowell, la fameuse saga Blackwater. Alors là, je vais faire une interprétation, comme je l'ai déjà fait précédemment, comme Manon le fait, interprétation de la couverture. Si on regarde la couverture, hein, on voit une forêt. Là, ou des flammes, ou des vagues. Clairement, moi, ce que je lis dans cette couverture, c'est que ça va être la merde. Vraiment, c'est, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre interprétation. Hein. Derrière, on a des éclairs, on a des orages, on a des gros nuages. Je pense que La Fortune, ça va pas être bien drôle. Tome 5. Et d'ailleurs, je commence le tome 4 en lecture commune avec Luciole Inbooks et plein d'autres. Le 10 septembre, donc très bientôt. Et j'ai craqué aussi pour... Ah, j'ai presque plus de batterie. Pour deux livres. Donc le premier, pour mon petit chat, qui est La Maison Ski de Charlotte Lemaire aux éditions Biscotto, que je ne connaissais pas, du coup, cette maison d'édition. Bon, bah, vous le savez, hein, on vit à la montagne, en station de ski. Je trouvais ça assez fun, le petit clin d'œil, La Maison Ski. Et surtout que j'ai adoré les illustrations. J'adore les illustrations. On a commencé à le lire hier, on n'a pas terminé. Je vais essayer de vous montrer une autre page, espèce d'aplat comme ça de peinture un peu acrylique. Qui est l'illustrateur? Charlotte Lemaire, ça doit être l'auteur. Ou elle illustre aussi également, est-ce que c'est marqué quelque part?
Ça n'est pas marqué, donc je suppose que l'histoire et l'illustration chez Charlotte Lemaire. C'est Charlotte Lemaire. Je revérifierai et puis je vous dirai ce que j'ai pensé de cette... ce qu'on a pensé de cette lecture jeunesse. Et j'ai également pris chez Gallimard Jeunesse. Et celui-ci, ça fait un moment que je le ziote. Et là, il était dans les rayons de la librairie. C'est la fameuse histoire, l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, illustré par Olivier Desvaux. Absolument, absolument magnifique. Et ces illustrations... illustrations très 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 impressionnistes. J'adore l'impressionnisme, donc ça tombe très bien. Toutes ces petites taches de couleurs, rien de voilà, tout est flou. Enfin voilà, l'impressionnisme, hein, c'est flou et en même temps c'est bourré de détails avec du coup la gestion des couleurs, la gestion des ombres, la gestion des foncés et des clairs. Enfin, je trouve que c'est extrêmement poétique. Je ne sais pas si vous connaissez ces c'est un grand classique en fait de la littérature quand même, l'homme qui plantait des arbres. Il y a eu, je vous mettrai le lien, il y a un dessin animé absolument magnifique qui du coup réinterprète cette histoire. Je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube. J'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre en lien si vous avez l'occasion de le regarder, notamment avec vos enfants. Regardez-le, c'est magnifique. En Provence, dans une région aride et sauvage, un berger solitaire plante des arbres jour après jour. Voici l'histoire d'Elzéar Bouffier, le silencieux, l'obstiné, qui réconcilie l'homme et la nature. Cette histoire est magnifique. Hymne à la nature, enfin, c'est beau. Ça se passe dans les années 1900, au début des... Enfin, entre les années 1900 et 1940, en fait. On passe par les années 20, les années 30, etc. Et ce livre est juste absolument magnifique. C'est la résilience d'un homme qui avec beaucoup... En fait, en plus, je le trouve assez méditatif parce que c'est vraiment un homme qui, chaque jour, plante un arbre, qu'il vente, qu'il neige, sous la chaleur, sous cette aridité, en fait, de la Provence. Mais quoi qu'il en coûte, il plante des arbres, en fait. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un merveilleux message et c'est... Et c'est voilà, il rend à la terre ce que l'homme lui a pris à la sueur en fait de son front. Et bref, si vous ne connaissez pas l'homme qui plantait des arbres, allez-y. Et je vous mets du coup le lien vers, enfin je vais essayer de le trouver vers le dessin animé, l'adaptation animée dans la barre d'infos. Je pense, ah ben non, je vous ai pas tout dit, petit update, oh, 25 minutes, Serena Giuliano. Luna, édité au livre de poche. J'ai commencé par Mamma Maria avec Serena Giuliano que j'avais adoré et celui-ci je l'adore. L'histoire m'a fait penser au départ à Je suis venue te dire de Cynthia Kafka, édité chez Poche. C'est Charleston ? Non, Charleston ou non, c'est pas Errol. Archipel. Archipel. Édition Archipel. Édition Archipel, je crois. Je vous mettrai la couverture par là. En gros, Je suis venue te dire, il est question d'une jeune femme qui apprend que son père est à l'hôpital, qu'il faut qu'elle aille le voir, quoi. Et en gros, elle se dit, allez, c'est l'occasion, je vais lui balancer un peu tout ce que j'ai à lui dire, parce que clairement, elle est dans un rapport absolument conflictuel avec son père. Et sauf que quand elle arrive, elle découvre que non seulement il est malade, mais qu'en plus... Il n'a plus la parole, donc l'échange est un petit peu compliqué, mais toujours est-il que voilà, ça m'a fait penser au début à ce livre. Et donc il y a un peu de ça, mais c'est complètement différent, enfin l'histoire n'a absolument rien à voir. Luna, du coup, il est question de Luna qui du coup vit à Milan et qui apprend que son père est à l'hôpital puisqu'il a une tumeur. Et du coup, elle se dit qu'elle se doit d'aller voir son père à l'hôpital puisqu'il est un homme plutôt isolé de sa famille, puisqu'on sent qu'il y a une grosse histoire derrière, encore une fois conflictuelle, mais bien entendu au début du roman on ne sait pas de quoi il s'agit, on l'apprend bien plus tard et je ne vais absolument pas vous dévoiler la nature de ce conflit. Toujours est-il qu'elle elle a quitté Naples, elle vit maintenant à Milan et là elle retourne à Naples pour du coup voir son père à l'hôpital, et on comprend juste que le fond du problème réside
dans une sombre histoire d'argent, même si au début on n'en a pas les détails, à savoir qu'on comprend très rapidement que Luna, sa maman et son papa vivaient de façon très simple, très sobre, faisaient partie, on va dire, de la classe vraiment ouvrière de la société napolitaine, et que du coup d'un seul ils se mettent à avoir énormément d'argent, à vivre dans un petit palais, dans un somptueux appartement, et à pouvoir accéder à tout plein de choses auxquelles ils n'avaient absolument pas accès précédemment. Et du coup on comprend très rapidement que suite à ça Luna et sa maman quittent le paternel, puisqu'elles ne supportent absolument plus la situation. Voilà, ça c'est vraiment la base du roman. Je regardais en l'air parce qu'il y a un parapente là qui est en train de... Ouh, ils ont une super vue ce matin. Bref, donc voilà, on est là-dessus, et en fait on a du coup on a différents chapitres, en fait. On a l'histoire telle qu'elle est présentement à l'instant T, et on a des extraits du journal intime de Luna, qui du coup retrace un petit peu cette histoire de conflit et à partir de quand ça a commencé à merder, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Et on a également aussi des échanges WhatsApp texte avec du coup, donc on a le roman qui est écrit de cette façon, on a le journal intime qui est écrit en italique, et on a les échanges avec ses meilleurs potes qui est écrit voilà, de cette manière. Et du coup voilà, à travers ces trois récits dans des typographies complètement différentes, on apprend plein de choses et plein de petits détails sur l'histoire de Luna et sa famille. Et il y a du coup l'histoire avec son papa, mais il y a aussi son histoire personnelle avec la ville de Naples, qui clairement est un personnage à part entière dans ce roman. C'est une ville qui respire, c'est une ville qui est vive, et c'est une ville qui respire grâce à ses habitants, qui sont soumis malheureusement à quelques difficultés aussi, qui ont un lien avec l'histoire de Luna et de son papa. Je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, Naples, clairement, ça m'a donné envie de... On dirait une espèce de fourmilière comme ça, avec plein de petites rues. On imagine les vêtements et les draps qui sont suspendus de part et d'autre de ces petites rues. On imagine les restaurants ultra bruyants. On sent la pizza, ça sent le citron, ça sent le vin, enfin voilà, c'est un peu la ville. Moi ça m'a un peu fait penser à... Enfin, j'ai cette image là de un peu la cour des miracles. Alors c'est exagéré, la cour des miracles de Notre-Dame de Paris, mais c'est un peu exagéré. Mais vous voyez, j'imagine ça en fait, ces gens à la fois pauvres mais à la fois heureux de rien, qui parlent fort, qui s'éclaboussent, qui... Voilà, qui sont à la fois dans la ruine, mais la richesse des rencontres et des amitiés qui se créent. Enfin voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman. Et voilà, Luna, vraiment. Et puis en plus, cette capacité qu'a Serena Giuliano, comme Mamma Maria, d'aborder des sujets forts, des sujets intenses, des sujets de société importants, sous couvert de feel good, sous couvert d'échanges, d'amitié, de relations humaines, et voilà, encore une fois, sans faute pour Serena Giuliano. On aimerait juste que ce soit un peu plus long, tellement on aime. Voilà mon petit update. Je suis toujours dans ma lecture Et nous au bord du monde, aux éditions La Thèse, que j'ai commencé. Attendez, je vais aller vous chercher le livre. Voilà, je suis toujours dans cette lecture Et nous au bord du monde de Nathalie Sauvagnac. J'avais lu Les yeux fumés. Voilà, non, pas les yeux fumés, de cette autrice il y a 2 ans à peu près, édité aux éditions La Thèse. J'adore ce roman, il me reste ça, donc je vais le finir aujourd'hui et je vous ferai un update, ou tout à l'heure ou demain. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous dirai tout quand j'aurai terminé ce roman, mais c'est un excellent roman
que j'ai préféré au roman Yeux fumés, clairement. Mais voilà, je vous en reparle très bientôt. Pendant les vacances, comme il est assez gros, je n'avais pas pris Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Mrs. Bookiermond aux éditions Hurlevent. Mais là, du coup, je vais le terminer. Il faut que je le termine, puisque normalement, je fais un live avec Sarah la semaine prochaine au sujet de sa parution. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire, des publications, finaliser un réel, monter cette vidéo. J'essaierai d'être un peu moins longue les jours d'après parce que là, je suis à 32 minutes et clairement, ce vlog va faire à peu près 1h30, je pense. Mais bon, voilà, c'est un vlog de 15 jours en même temps, donc forcément, je me dis que vous le regarderez en plusieurs fois. Voilà, j'espère que du coup ce petit retour, ce petit unboxing, update, etc. Vous auront plu. Et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi aujourd'hui, fin de semaine. J'ai un petit compagnon aujourd'hui qui m'accompagne dans ce mini tournage de suite de vlog. Il dormait trop, j'avais pas envie du tout de le réveiller. Du coup, je l'ai calé contre moi, il est trop bien. Petite réception hier, mais du coup j'ai pas eu le temps de les ouvrir, donc du coup j'ai cru qu'il y avait un colis qui allait tomber. Du coup je me suis dit que j'allais vous ouvrir ça en vidéo. Alors clairement ça sent la rentrée, puisque depuis 3 jours je reçois pas mal de livres qui vont venir rejoindre ma palle. Mais du coup je me sens mieux par rapport à ma palle là ces derniers jours, puisque niveau lecture j'avance plutôt pas mal. J'ai d'ailleurs, chose qui arrive très rarement, 3 chroniques en avance. Enfin qu'il faut que je fasse, mais du coup j'ai 3 livres lus en avance. J'ai du coup L'ombre de l'assassin, que j'ai lu avant de partir en vacances, mais que j'ai pas encore chroniqué, j'ai pas publié du coup sur Instagram. J'ai Luna de Serena Giuliano, et également je vais vous faire un update Et nous au bord du monde de Nathalie Sauvagnac, que j'ai terminé hier soir, et je vais vous en parler du coup dans quelques minutes. Là, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas de qui ça vient. Alors c'est Marie de Ma Jolie Bibli qui a parlé de ce livre. Alors c'est pas un roman, mais c'est un livre qui, du coup je l'ai vu en story et je me suis dit, ah là, il faut absolument que je me le procure, parce que vraiment ça peut être très très intéressant. Et c'est vrai que sur les questions d'éducation, enfin voilà, j'aime bien me renseigner sur les éducations alternatives, et pas forcément Montessori, parce qu'on parle énormément de Montessori, mais il n'y a pas que... il n'y a pas que les idées de Maria Montessori, il y en a plein d'autres sur une éducation alternative et beaucoup plus bienveillante et respectueuse du rythme de l'enfant. Et du coup elle a présenté ce livre là Une autre école est possible, déconstruire l'institution pour se libérer des oppressions, pardon, sexisme, racisme, classisme, le cri de révolte d'une enseignante, donc Yuna Vicenti. Et en fait du coup elle a présenté ce livre en story, et je lui ai dit, oh là là, je sais plus ce que je lui ai mis, ou je me le mets sur ma wishlist, ou ce livre peut carrément m'intéresser. Et comme elle avait reçu les ENC de ce livre avant du coup l'épreuve définitive éditée du coup chez Le Duc Société, elle m'a dit, bah attends, si tu veux, du coup je garde l'ENC parce que je l'ai annoté, et je t'envoie celui-ci. Du coup, mais trop trop gentille en fait, du coup bah, elle me l'a envoyé. Donc Marie, bien entendu, je vais lui faire un petit message, mais je la remercie également par ici. Et donc du coup ça dit, déconstruire l'institution pour offrir à nos enfants une éducation qui leur permette de façonner un autre monde. Peut-on détacher l'histoire de l'école française d'un système de discrimination et de contrôle social? L'institution scolaire peut-elle vraiment être une source d'émancipation et une voie de libération pour tous et toutes? En plus, c'est bien parce qu'elle est inclusive dans son écriture. Yuna Vicenti établit un constat. Notre école doit changer, et pour cela, il faut commencer par déconstruire le modèle installé depuis longtemps et ancré dans la société. À partir de son expérience personnelle, de ses recherches et d'entretiens, l'autrice dénonce et décortique la manière dont l'éducation nationale maintient un système oppressif par des dynamiques d'exclusion et de minoration. Il va vraiment énormément m'intéresser, ce livre. Voilà, parenthèse refermée. Autre colis qui est somme toute très joli. J'adore cette enveloppe très Noël. Et je ne sais pas de qui vient ce colis. Je n'ai jamais eu de colis d'une maison d'édition
avec une enveloppe rouge brillant comme ça. Oh, mais oui! Et je comprends pourquoi l'enveloppe est rouge en fait. Vous allez comprendre vous aussi pourquoi. Est-ce qu'on comprend pourquoi l'enveloppe est rouge? Parfaitement. Du coup, c'est un livre qui me vient des éditions de La Martinière. Je l'ai énormément vu circuler sur les réseaux sociaux et j'imagine que vous aussi, il s'agit du Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot qui est sorti le 26 août dernier et bien entendu qui est très joliment illustré. Et quand du coup les éditions de La Martinière m'ont proposé de recevoir ce livre, bien entendu je n'ai pas dit non. Décidément, je reçois peu de livres à la tranche colorée, mais là, entre celui des éditions Erol de leur nouvelle collection Romans d'Histoire Pop et celui-ci, on cumule les tranches colorées. Illustration de Johan Propin, si vous posez la question, comme en tout cas je me la posais. Et voilà. Ah, trop bien. En fait, quand j'ai lu du coup le communiqué de presse, j'ai vu qu'il était question, enfin qu'en tout cas l'auteur se situait dans la vague des romans gothiques. Et lorsque j'étais en licence de lettres modernes, on avait une prof qui s'appelait Sophie, j'ai perdu son nom de famille, mais que j'adorais, elle avait un style en plus de dingue, mais on aurait cru qu'elle était sortie d'un roman de Balzac. Elle avait toujours des longs manteaux super bien coupés avec des petits boutons marinières en argent, enfin, mais elle était à chaque fois sapée, mais c'était un peu oh là là, aujourd'hui comment elle va débarquer en cours quoi. Elle nous avait fait lire Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, qui est du coup une autrice de romans gothiques notamment, et la première partie du coup de ce roman s'ouvre sur une citation des Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe. Et du coup quand j'ai vu que voilà il faisait référence au roman gothique, en tout cas qu'il était dans la veine des romans gothiques, je me disais mais ça va potentiellement me plaire. Alors je sais qu'il y a eu quelques critiques pas ouf sur ce livre, notamment de Estelle Petite Lectrice, qui d'ailleurs je crois, je vais peut-être me tromper, n'est pas allée jusqu'à la fin de la lecture. Enfin en tout cas elle a pas franchement adhéré. Je sais que Manon, les lectures de Manon, en a parlé dans son précédent vlog. Et pareil, elle a eu un petit peu de mal jusqu'à la moitié, je crois, et au bout d'un moment ça allait mieux. Donc écoutez, à voir. En tout cas, on est vraiment sur un roman illustré à chaque chapitre. Voilà, petite illustration comme ça en noir et blanc. Puis je vais vous lire le résumé, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est édité comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Alors, 1837, baie du Mont-Saint-Michel, le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escreuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. Langlois, diabolique intendant du domaine, le vieux Simon qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Pourquoi la baronne d'Escreuil se cache-t-elle? Qui est vraiment cette ancienne comédienne veuve d'un aristocrate guillotiné sous la terreur? Bravant les mises en garde, Baptiste s'aventure dans les plus sombres recoins du domaine, mais les apparences sont trompeuses et en cherchant la baronne, c'est sa propre vérité que Baptiste va devoir affronter. Jouant sur les codes du conte gothique, du roman historique et du récit d'apprentissage pour mieux les subvertir, le château des Trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Trop cool, je suis vraiment très très contente et j'ai hâte de le lire pour voir justement si j'ai un peu les mêmes impressions que les filles ou si, à contrario, j'arrive à bien rentrer dans l'histoire. La citation d'Anne Radcliffe, je vous la lis quand même, Les Mystères du Dolph. Si vous ne connaissez pas Les Mystères du Dolph, je vous conseille ce roman gothique, c'est un petit pavé, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux. À tant de circonstances qui lui causaient de si justes alarmes, se joignaient maintenant mille terreurs sans nom, qu'une ardente imagination peut seule faire naître et qui défie la raison et la réflexion. Vous voyez un petit peu le style d'écriture d'Anne Radcliffe. Merci beaucoup les éditions de La Martinière, j'en ferai bon usage, à savoir un usage de lecture. Hop, je remets la jolie gravure dedans. Et la troisième réception, ça je pense que c'est Charleston, parce que Charleston c'est souvent dans des cartons comme ça, mais c'est trop bien. Du coup j'ai reçu, je l'ai vu circuler chez Louise,
qui l'a reçu également, c'est « Merci mon fils », écrit par Zoélie, « Vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'EMDR ». Donc du coup, qui fait partie de la collection Le Duc Graphique. J'ai découvert il y a quelques mois que les éditions Le Duc avaient une collection graphique et qui vraiment publie des graphiques très engagés et beaucoup sur des sujets autour de la maternité ou de... c'est souvent des sujets plutôt féminins, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, du coup, on est sur donc Zoélie. Ah, mais du coup, est-ce que c'est autobiographique? Peut-être. On va lire la... Oui, voilà, c'est ça, c'est autobiographique. À travers cette BD sensible, Zoélie se livre et raconte sans tabou la difficulté de devenir mère, de ressentir de l'amour envers son enfant et de la dépression maternelle, mais c'est aussi l'histoire d'un beau cheminement vers la guérison. Le résumé du coup. En devenant mère, Zoélie prend l'arrivée de son fils en pleine figure. Comment est-ce possible de ne pas aimer son propre enfant? Comment lui donner de l'amour alors qu'elle ressent un vide à l'intérieur? Rongée par ses nombreuses interrogations et un profond mal-être, Zoélie décide de se faire aider par une psychothérapeute et commence alors une thérapie basée sur des séances d'EMDR. Au fil des séances, elle prendra conscience de ses traumas, du poids de l'éducation toxique transmise par ses enfants, par ses parents, et de l'impact sur son rôle de mère. L'éducation, on en parlait précédemment, bah là c'est l'éducation transmise par ses parents. Bien entendu, celle-ci est aussi importante que l'éducation transmise à l'école. Forcément, étant devenue maman très récemment pour la seconde fois, ce sont des sujets qui me parlent. Moi, c'est vrai que la question que je m'étais posée, c'est est-ce que je vais autant aimer mon deuxième enfant que mon premier, puisque bien sûr, on éprouve. Non, voilà, l'histoire de Zoélie nous prouve que non, on n'est pas censé obligatoirement éprouver un amour infini pour notre enfant comme ça, d'un coup, dès la seconde où on accouche. Et c'est vrai qu'à mon premier enfant, j'avais mis quelques jours avant de vraiment créer le lien, avant d'éprouver cet amour inconditionnel qui du coup s'est décuplé de jour en jour. Mais les premiers jours, rien que vous en parlez, je suis dans l'émotion. Mais... c'est vrai qu'il y a un sentiment assez culpabilisant quand même de se dire, enfin tout le monde nous dit c'est le plus beau jour de ma vie, je vais pas chialer quand même, là je suis limite quand même, je suis vraiment très limite. Bref, tout le monde nous dit que voilà, dès qu'on accouche c'est censé être le plus beau jour de notre vie et on est censé aimer notre enfant de façon complètement inconditionnelle, et ben cette petite magie ne se fait pas forcément comme ça dès les premières secondes, à l'instant même où on les a dans nos bras. Clairement, la seconde fois, c'est ce que j'ai éprouvé avec ce petit chat là. Mais avec mon premier, voilà, c'était un peu plus difficile. Alors peut-être parce que c'est la première fois que je devenais maman et que c'était du coup quelque chose que je découvrais, un rôle bien entendu que je ne connaissais absolument pas, et c'est des émotions de malade. On est un peu comme dans une machine à laver, programme, voilà, on est lavé à 90 degrés et essorage 1300 tours, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup je trouve ça chouette en fait que quelqu'un puisse écrire à ce sujet. Et du coup, ça a un côté aussi déculpabilisant de se dire, bah oui, c'est pas forcément inné, c'est pas forcément... ça coule pas forcément de source, en fait. Donc franchement, merci beaucoup les éditions Le Duc de m'avoir envoyé ce livre, que du coup, je vais m'empresser de lire. Je vous intégrerai des petits visuels pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du style de dessin. Update du coup d'une lecture que j'ai terminée hier soir, il s'agit de Et nous au bord du monde de Nathalie Sauvagnac, édité aux éditions du Masque. Alors ce livre, je l'ai littéralement adoré. J'aime bien comme ça me laisser surprendre par des livres, des romans qui me font clairement sortir des sentiers battus sur des sujets qui pourtant... me passionne, mais en tout cas m'intéresse, me fascine et en tout cas m'interroge. Là, on va suivre Nadine qui
est une jeune femme avec de grandes difficultés sociales. Elle a été mise à la porte par ses parents. Elle se retrouve du coup à la rue. Elle rencontre une femme qui s'appelle Vivi, qui va un petit peu l'épauler. Elle vit de quelques missions intérim qu'elle peut faire. Mais voilà, elle y va un petit peu en traînant des pieds. Et un jour, elle découvre un endroit perdu en pleine campagne qui s'appelle les vignes. Et aux vignes, elle va faire la connaissance de Jean-Mi et Louis, qui sont également deux personnes complètement paumée comme elle. Donc aux vignes, il faut imaginer une bâtisse en pleine campagne avec des chèvres dans un coin, une chienne qui s'appelle Chienne d'ailleurs. Il faut imaginer des murs décrépits, il faut imaginer un poulailler crasseux plein de fientes, il faut imaginer des fauteuils, il y a un fauteuil d'une vieille déesse en plein milieu de la cuisine, il y a la radio qui fonctionne tout le temps à plein régime toute la journée. Et il faut imaginer du coup une maison comme ça, vraiment qui part en décrépitude, sans eau, sans électricité et sans sanitaire adéquat. Du coup, voilà, il faut imaginer cette maison, comme je vous le dis, qui part complètement en décrépitude. Et Nadine débarque ici et se dit, ah, mais peut-être qu'en fait, c'est enfin ici mon point de chute. Elle a un espèce de coup de cœur pour ce lieu, pour les vignes. Et elle décide de d'élire domicile dans le poulailler. Donc, autant vous dire qu'il y a un boulot monstrueux pour tout dégager, tout nettoyer, enlever les odeurs, etc. Et du coup, elle s'y installe avec un matelas, même le sol. Elle récupère 2-3 bricoles et elle s'installe dans ce poulailler avec sa machine à écrire. On apprend assez rapidement que elle voue une espèce de fascination, une espèce d'amour viscéral pour cette machine à écrire qu'elle a du coup récupéré. C'est l'un des rares objets avec lesquels elle est partie, ça et ses quelques affaires. Et du coup, voilà, elle s'installe aux vignes et va se créer comme ça une espèce de quotidien, une espèce de petit train-train entre Nadine, Jean-Louis et Jean-Louis, Jean-Mi et Louis. Et en fait, on va vite, très vite, très vite comprendre que malheureusement, les trois, là, même s'ils apprécient vivre ensemble et qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé leur petit Éden, s'entraînent et se tirent tous les trois vers le fond à base de piquouses, de poudre sniffée, enfin voilà, toutes les drogues y passent pour du coup oublier en fait leur situation et essayer de trouver un petit peu de bonheur en quittant voilà le monde réel à travers des substances et hallucinogènes et extrêmement destructrices. Mais on sent que tout au long du roman, ces trois personnages tiennent parce qu'ils sont tous les trois et tiennent aussi parce qu'il y a ce lieu qui leur appartient, où ils ont de nouveau leurs repères, où ils sont exclus du monde au-delà des limites de cette campagne, et que ça leur va plutôt bien et qu'ils y trouvent une grande satisfaction. Nadine se sent revivre et vraiment, elle voit dans les vignes un vrai point de chute. Sauf qu'en fait, ce qu'on apprend aussi très vite, c'est que ce lieu ne leur appartient pas. Et du coup, ils vont devoir faire avec ça et ça ne va pas être sans difficulté. Donc, c'est vraiment un livre, un roman qui parle de comment on vit, comment on survit quand on est exclu de la société, quand on est exclu du monde réel, quand on est exclu d'un quotidien partagé entre une famille, une maison, un abri, un foyer, des enfants, un travail, des activités, des sorties. Comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour s'adapter et quelles sont toutes les petites choses qu'on peut trouver ou mettre en place qui nous permettent de survivre et de malgré tout se sentir un tantinet bien dans sa tête, même si on sent que ce sont des personnes qui ne se sentiront jamais bien, puisque voilà, ils doivent faire appel à des substances chimiques pour du coup se sentir bien. Donc c'est vraiment un beau roman, un roman profond, une très belle histoire humaine, vraiment très très belle histoire humaine. Et c'est surtout voilà l'histoire de cette femme qui voilà on le sent a vécu par le passé des
des situations familiales assez violentes. Et d'ailleurs, le roman propose voilà, d'alterner chapitres entre l'histoire de Nadine Ovigne avec Jean-Mille Louis et des chapitres en italique où, du coup, elle relate son enfance avec ses parents. Et notamment avec son papa qui n'était pas des plus tendres, on va dire. En tout cas, pas la tendresse qu'on attend d'un père qui aime ses enfants. Donc vraiment, Et nous au bord du monde de Nathalie Sauvagnac, je vous le conseille vraiment si vous avez envie d'un roman un peu qui vous bouscule, d'un roman qui vous marque et d'un roman qui vous pose question, mais qui reste malgré tout un beau roman, parce que je vous dis, il y a une extrême belle relation entre ce trio comme ça de j'allais dire de dépravés, mais j'aime pas ce mot parce qu'il est très péjoratif, mais en tout cas voilà, de personnes un peu perdues, un peu paumées. Voilà ce que je peux vous dire de ce roman. Et j'avais moins aimé Yeux fumés du même auteur que j'ai lu il y a 2 ans, je dirais. Ouais, 2 ans. Mais alors celui-ci, vraiment, je l'ai adoré. Donc merci encore aux éditions du Masque de me l'avoir proposé et conseillé. Sur ce, je vais vous laisser. Nous ne sommes que vendredi. Il reste encore demain. Je vous reprendrai demain pour conclure le vlog. Peut-être que j'aurai encore des réceptions aujourd'hui. Peut-être que je pourrai vous parler de mes lectures avancées. Là, j'ai pu me remettre enfin dans Le cœur singulier de Millie Davis et j'aimerais le finir au plus tard lundi. Voilà, j'ai commencé un autre livre en parallèle, mais j'ai lu 1 ou 2 chapitres, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et dans tous les cas, je vous reprends demain pour conclure ce petit vlog. Et coucou tout le monde, je viens finaliser le vlog. Nous sommes samedi. Aujourd'hui, je viens de terminer le montage de tout le vlog, hormis du coup cette petite séquence que j'ai rajoutée. Le vlog fait 1h23, je crois. Il est énorme, mais en même temps, vous avez 15 jours de vlog, donc c'est un petit peu normal. En tout cas, j'espère que du coup, vous serez allé jusqu'au bout, juste pour vous dire que j'ai commencé ce matin. Merci mon fils de Zoélie. Vous avez pu constater que rien que de parler de ce graphique, j'étais un peu dans l'émotion et j'avais vraiment envie en fait de le lire, et il me tenait à cœur de le lire très rapidement. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il sort, je ne sais même pas s'il est sorti. Je vais voir quand est-ce qu'il sort ou s'il est sorti justement pour pouvoir vous en parler, parce que je pense le lire dans la journée, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Toujours dans Millie Davis de Sarah Mrs. Bookermonde, et j'ai commencé également hier Les Bouffeurs Anonymes de Marie-Aline aux éditions HarperCollins Collection Traversée. J'ai pas lu grand chose. Ah, mais j'ai lu une marque page, je suis trop bête. J'ai lu 60aine de pages, je vous en reparlerai plus longuement dans le prochain vlog, puisque définitivement celui-ci est vraiment très 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 long. Voilà, écoutez, merci encore du coup d'avoir regardé ce vlog. Encore une fois, merci d'être de plus en plus présent. Je crois qu'on est à 937 abonnés, donc je me dis que voilà, on n'est pas si loin des 1000 abonnés. C'est plutôt canon voilà, de constater que vous êtes et à la fois fidèles et de plus en plus nombreux ici. En tout cas, je vous remercie encore pour votre présence, vos commentaires et nos échanges. Et on se retrouve dimanche de la semaine prochaine pour une seule semaine de vidéos.